bientôt la fin effective de l'ouvrage. Privilégier le dialogue sans négliger l'option militaire, c'est ce que propose au Lusenjoun, au Bassanjo, à Félix Antoine Tshisekedi pour mettre fin à l'agression qu'est subie la RDC dans sa partie est. L'ancien président du Nigeria, en ce jour à Kinshasa, a eu un long moment d'échange avec le président de la République autour des questions sécuritaires et de développement. Patrick Michel Mukui. Il maîtrise parfaitement le Congo et ce problème pour y avoir mené plusieurs médiations et garde une oreille sur l'actualité du pays. Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, arrivé à Kinshasa le lundi dans la soirée, a été reçu ce mardi en milieu de journée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Pour près d'une heure d'échange, la situation sécuritaire avec l'épineuse question de l'agression rwandaise a été évoquée par les deux personnalités. Du haut de ses années d'expérience en politique, paix et sécurité, Olusegun Obasanjo suggère à la RDC d'employer la théorie du bâton et de la carotte, faisant allusion au dialogue, sans pour autant négliger le respect que peut imposer de force un pays à ses agresseurs. Il ne doit pas vous rappeler qu'il y a près de 14 ans, le secrétaire général Ban Ki-moon l'avait désigné comme envoyé spécial pour la pacification de l'Est de la RDC. Et que si à l'époque, on est arrivé à venir à bout de l'insécurité que nous avions à l'Est, il ne pense pas que la nature du problème a changé. Et donc, il reste confiant qu'ici également, en ce moment, on peut arriver à la solution. Et c'est certainement cette expérience qu'il a, cette connaissance des acteurs de la région, de la situation qu'il a, qui fait qu'on fasse appel à lui aujourd'hui et qu'il pense qu'on devrait venir à bout de ce problème. L'homme d'État nigérien qui a présenté ses félicitations au président Tshisekedi pour son nouveau leadership au niveau africain a, outre les questions sécuritaires, parcouru plusieurs autres sujets à l'instar de l'agro-industrie considérée comme moteur de développement d'un pays. Il a à cet effet encourager les efforts du président de la République en ce sens, en illustrant le bel exemple de l'agenda de la transformation agricole initié par le président Tshisekedi et exécuté avec l'assistance technique de l'Institut international d'agriculture tropicale. Après son entretien avec le chef de l'État, l'ancien président nigérien a poursuivi sa série d'échanges par un entretien avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, et l'homme politique congolais Vital Kamerhe, président de l'Union pour la Nation Congolaise. Des discussions dont les contenus n'a pas été dévoilé. La contribution de ce grand homme politique pourrait bien aider la République démocratique du Congo à mettre un terme à l'agression lui imposée par son voisin, le Rwanda. Direction le Haut-Katanga où le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kingé a procédé à la relance officielle à Kipushi de l'exploitation de la mine de production de zinc à haute teneur et des travaux de construction de l'usine de Kipushi. Reportage Patti Tondwango, Marcel Mubenga et bienvenue le Sala. Enfin, la mine de zinc à haute teneur de Kipushi reprend vie. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kingé a lancé les travaux de la reprise des activités minières ce mardi 23 août 2022 dans la cité de Kipushi à 15 km de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Selon les chefs du gouvernement, ces projets s'inscrivent dans le cadre de la création d'emplois édictés par la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour offrir aux Congolais des opportunités de développement socio-économique à la base. Aussi le lieu de mentionner la nécessité de faire bénéficier, et je remercie parce que cela a été mentionné par le DG de Kipo, de faire bénéficier la présence de cet investissement aux entrepreneurs locaux dans le cadre de la sous-traitance. Il s'agit là d'une obligation légale de chaque entreprise qui s'installe dans notre pays. Nous exhortons donc l'entreprise Kiko et ses actionnaires, que sont Jekamine et Ivan Noé, à œuvrer aux côtés de l'État congolais dans l'amélioration des conditions de vie
des populations de cette contrée, notamment dans la diversification du tissu économique autour de Kipushi, en attirant des investissements dans l'agro-industrie, dans les services de la petite industrie, et ceci permettra certainement de résorber le grand taux de chômage et garantira la paix sociale. La reprise des activités de cette mine a été rendue possible grâce aux travaux de construction de Kiko Corporation SA, une joint venture entre la GK Mine et Ivano Mine. Un rêve qui vient de se réaliser dans la relance de l'économie à Matélé, les PCA de Kiko SA, Olivio Biningo. La relance de cette unité de production minière de Kipushi va permettre à coup sûr l'envol économique, affirme les PCA de la GK Mine, Alphonse Caputo Kaloubi. Après une longue période de léthargie, la mine de Kipushi, qui va totaliser bientôt 100 ans, vient d'être relancée après une longue période de négociations entre les différentes parties prenantes. La cérémonie a été rehaussée de la présence du gouverneur de la province du Haut-Katanga, de la ministre d'État en charge du portefeuille Adel Kainda, de la ministre des Mines et de quelques conseillers du chef de l'État. Le ministre de la Défense nationale a séjourné récemment en Russie, Gilbert Kabanda. Sur place, Gilbert Kabanda s'est entretenu avec son collègue ministre de la Défense ougandais sur les opérations militaires conjointes dans le Grand Nord entre les deux armées. Mais auparavant, le directeur régional russe de la coopération a eu des échanges fructueux avec le ministre de la Défense sur la coopération militaire entre la Russie et la RDC. Jojo Ndibo. Mission accomplie pour le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, à Moscou, en Russie. Tout était réussi, du haut de la tribune de la conférence sur la sécurité internationale jusqu'en marge de ses assises, ses rencontres bilatérales avec plusieurs hautes personnalités de haut rang russes et d'autres nationalités étrangères invitées comme lui. Le patron de l'outil de défense a sollicité en urgence et obtenu la disponibilité de la Russie à fournir pour le besoin de la cause tous ses dons. Le Congo a besoin en termes des équipements militaires et autres matériels militaires modernes et performants. Bien auparavant, le directeur régional russe de la coopération Anatoli Panchuk avait déjà fait la même promesse ferme au docteur Gilbert Kabanda. Sur un autre plan, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant s'est entretenu avec son homologue de l'Ouganda, Vincent Bamulingaki. Pour le ministre ougandais de la Défense nationale, les opérations militaires conjointes dans le Grand Nord entre les armées ougandaises et congolaises se passent très bien vu de Kampala. Et à lui d'ajouter que ces opérations militaires conjointes fondées sur l'accord signé à Bunia par lui-même, le docteur Gilbert Kabanda, au nom de leurs gouvernements respectifs, vont se poursuivre afin de rétablir la paix mise à mal dans les contrées frontalières côté congolais. Échanges commerciaux entre la RDC et le Rwanda, le gouvernement modernise les infrastructures aux postes frontaliers de Kasindi et de Ruzizi, deux portes d'entrée qui seront inaugurées, sauf changement de dernière minute aujourd'hui. Dès ce mardi 23 août 2022, aux mains du ministre national du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tangba. Il vient pour l'inauguration des infrastructures frontalières de Kasindi au nord Kivu et Ruzizi au sud Kivu, comme il l'a indiqué à sa descente d'avion. Dans le cadre de la facilité du commerce, mais aussi de l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, le président de la République et le gouvernement nous ont engagés à moderniser les frontières, les infrastructures frontalières de la République démocratique du Congo. Et vous savez aussi, avec l'appui de nos partenaires, que Banque mondiale et autres, l'Union européenne, le gouvernement a construit donc des infrastructures au niveau des frontières de Bukavu, entre le Bukavu et le Rwanda, donc au niveau de Ruzizi, Ruzizi premier je veux dire, mais aussi au niveau des Kasindi. Ces infrastructures ont été donc terminées, les travaux de construction sont terminés et je viens pour inaugurer donc
ce bâtiment. Voilà. Aussitôt arrivé, le ministre du Commerce extérieur a eu un tête-à-tête d'une demi-heure avec le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, en son cabinet de travail au musée de Himbi. Question de passer en revue la situation sécuritaire qui prévaut en province. Jean-Lucien Boussa voudrait que la population du Nord Kivu soit rassurée de la détermination du président de la République et de son gouvernement pour ramener la paix à l'est du pays. La partie est du pays, et du Nord Kivu en particulier, comprend la guerre que nous connaissons, tout ce qui nous est imposé par nos ennemis de tout le temps. En ce moment où notre armée se bat pour sécuriser notre population, au moment où notre armée se bat pour recouvrer l'intégrité de notre territoire, lorsqu'on arrive dans le Nord Kivu, la préoccupation première est celle de savoir comment les choses se passent. Quelques heures après, la délégation du ministre a pris la direction de Bukavu pour l'inauguration à Ruzizi 1er des bureaux modernisés qui intervient ce mercredi 24 août. Des tonnes de maïs sont arrivées à Kananga en provenance du centre pilote de Kanyama-Kasese et ce marché qui connaît actuellement une pénurie sera inondé. Joseph Oscar Mbalkaïch. C'est une rame de 14 wagons remplis de sacs de maïs qui est arrivée à Kananga en provenance du centre pilote de Kanyama-Kasese dans la province du Olomami. Le marché qui connaît une pénurie de cette denrée sera inondé. Satisfaction morale pour le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Okabouik. C'est un homme satisfait que devant vous, je me tiens devant vous avec les wagons qui sont remplis de maïs. Ce n'est pas une activité commerciale que nous sommes en train de faire pour que le maïs profite d'abord aux commerçants. Non, on voudra s'assurer que c'est les plus démunis, la population du Kananga qui va bénéficier du maïs qui vient d'arriver. Un ouf de soulagement pour les autorités provinciales en cette période où le maïs se fait rare sur le marché. Ça fait pratiquement un mois que nous sommes dans les secousses pour la pénurie de maïs. Et le général est arrivé cette semaine en provenance de Kanyama, comme le chef de l'État l'avait souhaité. Mais aujourd'hui, on vient de nous servir avec 14 wagons de maïs. En attendant d'autres convois qui vont arriver la semaine prochaine, d'ailleurs sur le marché, ça sera même plus très inondé. Et toute la population sera même plus servie sans distinction. La vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de rendre autonome la province du Kasaï central en termes de production de maïs. C'est tout le sens de cette visite des vastes étendues des champs déjà labourés et qui n'attendent que les semis pour cette saison agricole 2022-2023. Des enfants venus de différentes provinces ont été reçus hier par la ministre d'État, ministre de la Justice, et leurs échanges ont porté sur le plaidoyer mené par ces enfants sur les thématiques liées aux problèmes d'enfants. Oscar Mbalkaïch. Ces enfants venus du Nord Kivu, du Sud Kivu, de la Tshopo, de Kinshasa, du Kwilu, du Kasaï central, du Sud-Ubangi, des Kwango, Tanganyika et du Haut-Lomami, mène un plaidoyer auprès des autorités, notamment de la ministre d'État, ministre de la Justice, sur différentes thématiques liées aux préoccupations des enfants. Il s'agit notamment des problèmes liés aux violences sexuelles. Les enfants du Parlement congolais ont évoqué devant la ministre d'État, ministre de la Justice Rose Mutombo, les faibles taux d'enregistrement des enfants à l'état civil, soit 40,1%. Cette situation s'explique par les coûts du jugement supplétif qui est élevé à 150 $ américains. Ils ont sollicité l'implication de la ministre d'État, Rose Mutombo. Pour l'insuffisance des tribunaux pour enfants et acteurs judiciaires qualifiés en charge des protections des enfants, ils ont constaté qu'au niveau des instances judiciaires, les personnes n'est pas suffisamment outillées sur la question des protections des enfants et de leurs droits. En réaction, Rose Mutombo a déclaré que les enfants doivent sensibiliser leurs parents sur les délais d'enregistrement des enfants à l'état civil. Pour Rose Mutombo, c'est un abus pour les officiers de police judiciaire ou des magistrats, parfois qui demandent qu'on trouve une solution à l'amiable lorsqu'il s'agit d'un cas de viol. Cela est interdit par la loi.
Le président américain Joe Biden a mis sur place un programme appelé Feed the Future dans le but de soutenir les pays qui souffrent d'une insécurité alimentaire avec 5 milliards de dollars américains tous les 5 ans. La RDC est l'un des pays sélectionnés pour en bénéficier. C'est la raison de la rencontre entre le ministre de l'Agriculture et le directeur de l'USAID. Reportage Marthe Mangazakala. Feed the Future est une initiative du président américain Joe Biden qui vise à lutter contre la faim et l'insécurité alimentaire à l'échelle mondiale. La République démocratique du Congo est l'un des pays sélectionnés en fonction d'une combinaison des taux d'insécurité alimentaire, de pauvreté et de malnutrition récurrente. Les relations entre le gouvernement américain et le gouvernement du Congo, c'est très étroite, qui va durer longtemps. Nous sommes ici pour le long terme et pour lui, il était très content d'entendre que le nouveau programme de Feed the Future, il a accepté d'être une partie de développement de stratégie pour ça. Le programme de USAID et le programme du gouvernement vont aller main en main. Le USAID a choisi RDC comme un pays ciblé pour le nouveau initiative qui s'appelle Feed the Future. C'est une initiative d'agriculture. La couverture mondiale de l'initiative Feed the Future consacre 5 milliards de dollars américains sur 5 ans pour lutter contre la faim dans le monde. Juste après le numéro 1 de la politique du ventre, Désiré Nzingabiri-Onze s'est entretenu avec les staffs de BAB et de l'UTA, avec lesquels il a procédé à l'évaluation des activités sur l'agenda des transformations agricoles, ATA, un programme initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le ministère de l'Agriculture. Ouverture à la CENI de l'atelier d'actualisation des mesures d'application de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Ces travaux vont permettre aux experts juristes de la CENI de réfléchir sur une nouvelle écriture adaptée aux besoins opérationnels concernant la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs en RDC. Reportage Tétis Samba, Hervé Poudi. 3 jours suffiront aux juristes de la Commission électorale nationale indépendante de travailler sur l'actualisation des mesures d'application de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Cet atelier est très déterminant pour la suite du processus de la révision du fichier électoral, a été ouvert ce mardi 23 août 2022 par le rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie, Patrice Nseya, dans la salle Platinum de la Gombe. Accompagné des membres de la plénière, Adine Omokoko et du secrétaire exécutif national Totomabiku Totokani, le rapporteur de la CENI a dans son adresse rappelé que cette loi n'a pas été revisitée par le Parlement. La CENI a ensuite élaboré et adopté de nouvelles mesures d'application en vue de rendre opérationnelles les différentes innovations introduites dans la loi. Quant à la loi portant identification et enrôlement des électeurs, quoique n'ayant pas été révisité par le Parlement, il appartient à la CENI d'actualiser les mesures d'application irrelatives pour pallier certaines insuffisances constatées lors du processus électoral passé et prendre en compte les exigences opérationnelles contenues dans le décret numéro 22/09 du 2 mars 2022 portant organisation de la mutualisation des activités opérationnelles dans le cadre de l'identification et de l'enrôlement des électeurs, de l'identification de la population et du recensement général de la population et de l'habitat. Auparavant, le secrétaire exécutif national de la CENI a invité les participants à s'adonner activement pour un résultat escompté. Suivant à présent cette tournée de sensibilisation du rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central sur le programme de développement de 145 territoires, il a échangé avec les populations riveraines de Lukungaputu dans le territoire de Kasangulu sur la production des poissons. Deux thèmes ont marqué la tournée des sensibilisations effectuée du 10 au 14 août 2022 par les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Nsalam Bingamankita Joseph, à Kasangulu sur l'axe routier Yanda jusqu'à la rivière Lukunga dans le secteur de Lukunga Mputu en territoire de Kasangulu.
Il s'agit de l'appui au programme de développement à la base des 145 territoires initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et de particularité de l'édit budgétaire rectificatif 2022 voté par l'Assemblée provinciale à la requête de l'exécutif provincial. L'on retiendra qu'une prime est instaurée en faveur des enseignants et médecins du secteur public. Au site Ngandamankou sous-pêcheur, dont les habitants sont de non-originaires intégrés, Ntsalam Bingambankita Joseph a remis des intrants aux pêcheurs pour booster leur production. Lutte pour l'autosuffisance alimentaire oblige. Si moi je soutiens parti, et bien par conviction, non vision. Je soutiens le président Félix-Antoine Tshisekedi par conviction et pour sa vision. Nous, élus du peuple, sommes mieux placés pour encadrer la réalisation du programme de développement des 145 territoires. Même démarche au village Bouéni où les mousses et chaises ont été remises pour soulager tant soit peu les patients admis au centre médical de ce coin. Une promesse de construction en matériaux durables de l'école a été faite à la population. La route Njilinsanda, réfectionnée sur fonds propres de l'élu des Kassangoulou, facilite déjà l'écoulement de produits agricoles vers le centre de consommation dans Kinshasa. Clôture hier des assises de la revue annuelle édition 2022 dans la province du Sankourou, elle a permis aux participants de faire une évaluation de l'année scolaire passée pour mieux préparer l'année scolaire prochaine. Autre détail avec Iverson Kaboba. Auront suffi aux autorités scolaires venues des différents territoires qui forment la province éducationnelle du Sankourou 2 pour faire un examen minutieux de la revue annuelle des performances édition 2022 dans cette partie du pays. Tenue au siège de la division provinciale de l'EPST 2, ces assises ont permis de faire l'évaluation pour mieux affronter l'année scolaire prochaine. Plusieurs recommandations sont sorties de ces travaux. La majorité ont tourné autour de la réforme du secteur à laisser attendre les coordonnateurs pour VED, Richard Pampaillé. Dixième résolution et recommandations ont été prises sur toutes ces commissions. C'est pourquoi nous demandons de bien vouloir s'approprier cet outil de performance provinciale de l'éducation qui est lié pour lui avec le consentement de nous tous afin de promouvoir l'amélioration du système éducatif dans notre chère province éducationnelle. Présent à cet atelier, le gouverneur du Sankourou, Gilles Lodiemongo, a réitéré son engagement de faire de l'éducation son cheval de bataille. J'accorde une importance capitale à l'éducation. Parce que c'est toujours cette éducation-là qui constitue une solution pour cette épidémie qui peut tout de suite se transformer en une pandémie si on ne fait pas attention. Les recommandations de ces travaux doivent être appliquées pour le développement de cette province. La Société congolaise des postes et télécommunications est déterminée à couvrir la RDC dans son ensemble. Son directeur général Didier Moussété, en séjour au Kasaï oriental, a posé la première pierre pour la construction du bâtiment moderne de la poste à Kabeakamanga. Emmanuel la commissaire. Une boîte postale électronique avec ses propres initiales, un nouveau choix selon la convenance, c'est la nouvelle facette qu'offre désormais la Société congolaise des postes et télécommunications SCPT. Dans la grande salle des réunions, les agents, invités et abonnés étaient présents pour assister au lancement officiel de la digitalisation des services postaux. Le directeur général de la SCPT, Didier Moussété, dit son enthousiasme d'offrir ce service aux abonnés. Nous avons maintenant un nouveau parc de boîtes postales sécurisé. C'est vraiment dans un environnement moderne et propre. Nous avons souhaité lancer cette opération concomitamment à la digitalisation. La coupure du ruban et la visite du nouveau parc de boîtes postales ont marqué cette cérémonie. Didier Moussété rappelle que la personne physique ou morale est dans l'obligation d'avoir une adresse postale. Je dois dire que la boîte postale, c'est très intéressant comme offre de la poste parce que ça vous permet d'avoir votre sorte d'adresse fixe qui ne bougera pas, sauf si vous voulez vous désabonner. Mais tant que vous êtes toujours abonné chez nous, vos courriers peuvent vous être gardés, conservés dans de bonnes conditions. Même si vous quittiez Kinshasa, vous allez dans un autre pays, mais quelqu'un à qui vous laisserez la clé de votre boîte aux lettres pourra récupérer vos courriers, vos colis régulièrement. 2 kilos à la poste,
reste la devise de la nouvelle technologie de la digitalisation de la SCPT. Hier, mardi 23 août, à Kinshasa et dans le monde, a été célébrée la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Le comité national scientifique de la route de l'esclave, en collaboration avec l'UNESCO, par le biais de son coordonnateur, le professeur Théodore Ngoy, a organisé une conférence autour du thème de l'année intitulée « Briser le silence », une conférence qui a connu la participation du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïd Ndzangui, et d'autres personnalités universitaires. Peggy Mukunda pour le reportage. À l'occasion de la journée mondiale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, commémorée chaque 23 août de l'année, que le comité national scientifique de la route de l'esclave, coordonné par le professeur Théodore Ngoy Ilunga, a organisé ce mardi à Kinshasa autour du thème retenu pour cette année, briser le silence. Par la même occasion, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, son excellence Monsieur Moïd Ndzangui, a tenu un discours vibrant en disant que la vraie histoire de notre pays, la République démocratique du Congo, doit être écrite par nous-mêmes le Congolais. Et c'est très important pour nous que nos enfants, que nos étudiants apprennent la vraie histoire, que d'apprendre ce qu'on apprend aujourd'hui, qui est l'histoire fabriquée de toutes pièces pour justifier les actes qui ont été commis par la colonisation. L'occasion faisant le larron, plusieurs personnalités universitaires et de l'UNESCO sont intervenues pour retracer l'historique de la traite négrière dont la RDC est l'une des victimes. Et le coordonnateur du dit comité promet de faire un plaidoyer auprès du gouvernement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons toujours nous souvenir que nous sommes des enfants de la traite. Ce que nous sommes, c'est l'œuvre de la traite négrière. Nous allons, avec le gouvernement actuel, réintroduire un programme d'enseignement des traites. L'histoire des traites dans toutes les universités, dans toutes les facultés, dans toutes les écoles secondaires et primaires. Rappelons que cette journée mondiale du souvenir de la traite négrière et de son abolition constitue pour les Africains une journée de réflexion commune. L'église de Tataonda appelle les Congolais à soutenir les efforts du président de la République. Les fidèles de cette église s'engagent à prier pour le retour de la paix au pays. Ils ont communié avec le secrétaire général de l'UDPS. Reportage à Lambikaï. L'insolence s'est arrêtée ce samedi 20 août sur Mbandazambi, cité sainte de l'église, chrétienne de l'Union des Saint-Esprit, église de fait patriarche Taonda. Ici, toute l'assemblée est en train de prier Dieu pour le retour de la paix dans l'est du pays. Invité par les chefs spirituels de cette église de Kartmavila Kisaka, le secrétaire général de l'IDPS Augustin Kabuya s'est joint aux fidèles de l'église qui invoque jour et nuit la faveur et la grâce divine sur la République démocratique du Congo. Une cérémonie ponctuée par la défilée de l'armée céleste à l'honneur de l'ère haute. Dans sa prêche, Descartes Mavila a condamné l'invasion rwandaise sur le sol congolais avant d'appeler les Congolais à soutenir les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la recherche de la paix. C'était aussi l'occasion pour lui de solliciter la reconnaissance officielle des femmes et hommes qui ont consacré leur vie pour prier pour le pays et ses autorités en se privant de tout jusqu'au point de ne pas se laver. Le bio comme interlocuteur valable, on a biso, naba kondia yambo. L'ingomba pezali ko participer na développement yamboka. Ce qui l'est le lobby, mon kondia yamboka koleka. A koleka solo. Poto ko bundele na le bitumba spirituel, to tie ma bondeli, na sima ya ma bondeli, to di ba voilà biso to ko tiela ye, yango. Dans sa réplique, Augustin Kabuya a salué cette initiative d'intercéder en faveur du pays et des FARDC engagés au front contre l'agression rwandaise. Il faut que ça la mon boulot.
c'est la visite des mausolées du musée sanctionné par la signature dans les livres d'or par ce lieutenant politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'est clôturé la manifestation. Juste après, cap sur la ville de Boma. Ce communiqué avant de terminer ce journal, subsidiairement au spot diffusé sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise relatif au lancement pour le mardi 23 août 2022 de la campagne de sensibilisation des communautés pour leur adhésion à la production et à l'utilisation de la farine panifiable du manioc à Madimba, la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire informe que cette activité est prévue pour aujourd'hui, mercredi 24 août 2022, dans le même territoire à 11h. Les invitations lancées restent valables. La CAPUDES s'excuse pour ce désagrément indépendamment de sa bonne volonté. Cette activité se tient en collaboration avec leurs excellences, messieurs les ministres d'État, ministres du Développement Rural, ministre de l'Agriculture et le gouvernement provincial du Congo central. Et c'est la fin de ce journal. Pécho Moubenga Kassongo et Patrick Bapouila, Joseph Ndenzo, Alain Galia, Atacha Machini étaient à la technique. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité tout à l'heure à 13h30 avec Bobo Anan Mokoundé. Très bonne suite de programme sur la RTNC.